Bonjour les fines bouches. Today, je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a 35 ans. J'étais à Gatwick, je travaillais en Angleterre, je suis resté là-bas une année. Et j'allais quasiment tous les jours dans un petit bar qui s'appelait le Chutney Tavern. Le chutney, c'est aussi une recette de cuisine anglaise qui est la fabrication d'un condiment. Un condiment qui va accompagner aussi bien du pâté qu'une viande, qu'une salade, qui se mange aussi comme ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un chutney de chou rouge. Quels sont les ingrédients pour fabriquer ce chutney de chou rouge? Du chou rouge, un demi, 600 grammes à peu près. Du vinaigre de xérès, 0,6 centilitres. 80 g de sucre roux, cassonade, du miel, on va en mettre 4-5 cuillères, du gingembre que j'ai préalablement découpé en brunoise, de la cannelle en morceaux, on peut mettre de la cannelle en poudre, mais en morceaux, ça diffuse plus longuement, des clous de girofle, de l'airel, à défaut d'airel, si vous n'en avez pas, les groseilles, les myrtilles, ça fait l'affaire, de l'eau. Et moi, je rajoute de la pomme. On n'est pas obligé, mais j'adore parce que ça donne un petit côté acidulé. De l'eau. On va commencer la préparation. Vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez, on a un truc pour éplucher les pommes et les découper en morceaux ou pour émincer le chou rouge. Regardez. Voilà, des pommes, du chou. Très british comme recette. Allez, on va attaquer la cuisson. Première chose, eau bouillante et on fait blanchir le chou pendant 5 minutes. À dans 5 minutes. 5 minutes, je coupe le feu, je découvre, vous avez vu, on a blanchi et l'eau devient bleue. C'est fantastique. Et ça, on va l'égoutter. Je vais là-bas. On rince un petit coup. On remet dans la casserole des toutes bœufs. Oui, ça fait de la couleur. Hein. Et là, on va ajouter tous les ingrédients. Le vinaigre de xérès, le sucre cassonade, le gingembre, nos bâtons de cannelle, le miel. Alors, on va dire 40-50 grammes de miel. Les clous de girofle. La pomme. Un peu de sel quand même. Chouïa de poivre. On mélange le tout. On arrose des 15 centilitres d'eau. Les airelles, on les réserve pour tout à l'heure. On va les mettre 10 minutes avant la fin de cuisson. Comme il y a 50 minutes de cuisson, dans 40 minutes, je mettrai les airelles. Et on se revoit à la fin, une fois que c'est fait. A tout de suite. Les amis, j'ai omis de vous dire quelque chose tout à l'heure. En fait, le chutney, la cuisson, ça varie du légume qu'on va utiliser. Du légume ou du fruit. Le chou, c'est long à cuire. Alors, je ne vais pas vous mentir. C'est quasi 2 heures de cuisson. J'ai mis les airelles 10 minutes avant, comme prévu, et voilà ce que ça donne.
Je coupe. Je l'ai goûté. Alors, vous laissez refroidir. Et ensuite, ça vous fait une confiture, en gros, pour les aliments salés. Tranche de rôtisse bœuf froid, la viande, ce que vous voulez. C'est extrêmement parfumé, un peu croquant, magnifique. Voilà les amis, c'était mon petit clin d'œil à mes amis british. En faisant ce plat, ça m'a ramené à plein de souvenirs, de bons souvenirs. Et puis là, je vous dis pas, je suis dessous. Les saveurs qui montent dans le nez, il y a tout. Salé, sucré, à manger, croquant, fondant, faites-le. Faites-le et laissez-moi un petit message pour me dire que vous avez réussi à vous régaler vous aussi avec ça. Alors, à vos fourneaux, bon appétit et à très vite. Alors, tout se passe bien ?